Salut les copains, papy est revenu de vacances. Alors je vous avoue que ça s'est pas fait tout seul. On est arrivé à la maison, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Sinon je vous ferai une vidéo bientôt sur mes 3 000 km, un peu plus même en voiture électrique, autoroute, pas autoroute, les bornes, etc. Mais je vous ferai ça plus tard. Là, on est sur la bêta de Modern Warfare 2. Et j'allais pas faire de vidéo et j'ai vu la vidéo de Skyrose et je m'y suis retrouvé mais alors en plein dedans. C'est-à-dire que déjà le personnage est très lourd, enfin c'est mon impression quoi. J'ai l'impression de marcher avec un sac de plusieurs tonnes sur le dos. Après, quand vous réglez votre sensibilité, si vous passez d'une arme à une autre, c'est complètement différent, mais alors vraiment d'une différence qui est très handicapante. Donc alors la lourdeur, le fait que, et ça c'est exactement ce que disait Skyrose, qui comprenait pas, il a l'impression, vous voyez là, monsieur, ça m'affole à force, il a l'impression, et moi aussi, que les adversaires vous tuent en une balle ou deux. Et que vous videz un chargeur, et puis le mec, il... rien à faire, quoi. C'est vrai que c'est un jeu qui... comment je dirais, comment je vous dirais, c'est un jeu qui me fait peur. Qui me fait peur, c'est-à-dire dans son avenir. Si la bêta ressemble à la version finale, eh ben... Ça va être extrêmement, ça va être un jeu que je vais zapper quoi. Faut être clair, parce que là, c'est trop pénible. C'est lourd quoi. C'est lourd. C'est un jeu qui est lourd. C'est un jeu qui est pas plaisant. Voilà. Alors j'essaye. Là, il y avait un défi qui était de faire des éliminations en étant appuyé, mais. Quand je m'appuie, il n'y a jamais personne. Et quand je me désappuie, ah oui, alors j'essaye en plus de jouer en manette tactique là, toujours avec mon problème. Alors de la manette qui est pas configurable. Et j'ai eu enfin, j'ai vu sur Internet qu'il y allait y avoir une DualSense PS5 donc configurable. Qui devrait arriver. Alors bon, ça sera pour moi le rêve. Boum, au revoir monsieur. Mais c'est pas encore, a priori, c'est pas encore pour tout de suite. Ça devrait être, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour dans un an, quoi. À la louche. Un petit peu moins, mais pas loin. Alors, revenons à notre. Enfin, revenons, on l'a pas quitté, hein. Moi, c'est un jeu, si vous... Voilà. Et je sais pas, j'ai toujours un joueur qui m'arrive dans le dos ou sur le côté. Tout le temps. C'est... Ou au-dessus. Il est... Alors, dans le dos, sur le côté, au-dessus. Voilà. C'est pas compliqué. Alors, peut-être que je tombe sur des... À chaque fois, sur des mecs qui sont... Ça m'a fait rigoler parce que je répète encore. Hein. C'est papy ça, il vieillit. Hein. C'est Skyros qui disait, je suis trop vieux parce qu'il prenait la même pâté que moi quoi. Je suis trop vieux pour ce jeu, etc. Et ben, qu'est-ce qu'il dira quand il aura 63 ans hein? Alors, que vous dire? Sur MW2, ouais, MW2. Et ben. C'est étrange. C'est étrange parce que au lancement de la bêta, j'avais trouvé le jeu pas si mal, le TTK pas si mal, le TTD pas si mal, le réglage des armes. Bon, au début, j'avais un petit peu, c'est vrai, j'avais un petit peu râlé sur la balourdise des joueurs, hein, parce qu'ils sont, c'est vraiment balourd. Hein. Mais j'avais un petit peu arrangé la chose avec. Avec le réglage du champ de vision et le réglage de la sensibilité. Donc, bon, je ne me plaignais qu'à moitié, on va dire. J'avais dit, bon, bah, finalement, il y a du potentiel, il y a des choses à faire.
Et là, quand je vois. Excusez-moi, la fatigue du voyage. Quand je vois, et puis l'énervement du fait qu'il n'y a plus rien qui marche dans ma maison. J'ai plus de télé, j'ai plus d'adoucisseur d'eau, j'ai plus rien. Il n'y a que la bagnole qui fonctionne, et puis j'espère la console. La connexion internet a l'air d'être encore opérationnelle. Ah oui, alors les grenades, je sais pas vous, mais moi, s'il y a une grenade. Si un mec lance une grenade au hasard, hein, peu importe, elle me tombe dessus. Si elle me tombe pas dessus, eh ben c'est moi qui cours dessus. Vous voyez, c'est... Non, il n'y a que moi, alors. Hein. Ouais, bon. Bah, écoutez. Voilà, là encore, vous voyez, j'ai un partenaire qui arrive, je crois que c'est un adversaire, je lui tire dessus, et derrière, c'est un adversaire qui, lui, me tue. Vous voyez, c'est... C'est fatigant ce jeu, en plus, là ça se voit pas tellement. Un petit peu, vous allez voir là sur. Enfin, vous allez voir ou vous allez pas le voir d'ailleurs, je sais plus. Parce que j'ai fait deux parties. J'ai fait deux parties et puis il y en avait une que j'ai zappé complètement parce que tellement j'avais honte. Ah voilà. Vous voyez le mec qui est sur le toit là? Eh ben le mec qui est sur le toit. Il a passé sa partie sur le toit. Voilà. Y a énormément de campeurs. Et sur ce jeu. Alors sur cette carte. Peut-être que c'est la carte qui fait ça. Mais en ce qui me concerne. Et alors voyez là, je vous parlais de la fameuse sensibilité là. Où le. Comment dire. L'arme va dans tous les sens. En fait, pendant que j'y pense, n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne, il est là, papy, et donc le petit like, le commentaire, le partage, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, mais nous y reviendrons, car c'est quelque chose qui est important. Donc, bon, pour ceux qui sont intéressés par les véhicules électriques, je vous suggère de ne pas... vous voyez, il est toujours là, il est toujours sur le toit, lui, hein. Je vous suggère de ne pas louper la prochaine vidéo, vous pourriez apprendre quand même beaucoup de choses. Et pour ceux que la voiture électrique n'intéresse pas, ou que la voiture électrique fait peur parce que les recharges, parce que les longues distances, parce que... Eh ben, c'est pareil, regardez cette vidéo, vous allez voir que on entend beaucoup de bêtises. Et on entend aussi des choses qui sont vraies, il faut faire le tri. Il est toujours là, vous voyez, il est là. Il est là, voilà. Mais moi, vous voyez, je lui mets, je sais pas combien de balles, il meurt pas. Il meurt pas, le mec. Il est à l'arrêt, il me tourne le dos, il est couché, mais il meurt pas. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, je protège le collègue pour qu'il prenne A, voilà. Je vais y arriver, voilà, il a pris A, mais... bah oui, j'aurais même réussi à défendre le point. Donc c'est pas mal. Mais... Voilà, je suis pas enchanté. Voilà, je suis pas enchanté par. Je dis bof. Vous savez, bof. Voilà, c'est un peu comme tout ce qui est très moyen. On sait pas. On sait pas si c'est bien. On sait pas si c'est mal. C'est bof. C'est. Voyez encore le mec dans le dos. Bof. Voilà. Bah écoutez les copains, la vidéo. Va pas tarder à se terminer. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah rien en fait. Enfin rien de plus quoi. Rien de plus que ce que je dis. Si ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir plonger comme ça, vous voyez. Ça c'est super sympa. Quand on plonge sur le point ou qu'on plonge par terre pour plonger quoi. Parce qu'on a envie de plonger. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc ça c'est quelque chose j'espère qu'ils vont garder. Voilà, ça c'est fait. Alors c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de fois où je suis assez faiblard et j'ai l'impression qu'une balle me tue alors qu'il me reste que très peu de vie quoi. C'est peut-être aussi une explication, on va dire un début d'explication. Mais voilà, c'est pas un jeu qui me hype, hein, il me hype pas, ne me hype pas, et il ne me hype pas, c'est, voilà, et du coup, bah, pour une fois, parce que c'est assez rare malgré tout, je suis complètement d'accord avec Skyros,
c'est préoccupant. Voilà. Modern Warfare, c'est préoccupant. Son avenir est d'ores et déjà préoccupant. Et ça, c'est quand même. C'est quand même embêtant, on va dire. Un jeu qui n'a même pas débarré. Quand on voit la bêta, je me souviens des autres bêtas que j'ai faites. La bêta de Modern Warfare, la bêta de Black Ops Cold War, et même la bêta de Vanguard, il me semble bien, je ne me souviens plus trop. C'était quand même autre chose, quoi. C'était quand même beaucoup plus... Là, j'ai presque pas envie, quoi. C'est marrant, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, vous me dites tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Moi, vous savez que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse hein, dans vos commentaires. Et puis voilà, bah, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, comme d'habitude. Hein. C'est toujours, je répète toujours la même chose, mais croyez-moi, hier, d'ailleurs, sur le trajet du retour, je me suis arrêté sur Paris au cimetière où sont mes parents, et voilà, ça fait quelque chose. Voilà les copains, allez, je vais vous laisser tranquille pour la fin de la vidéo, voilà, je vais mourir tranquillement, et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, et à bientôt sur la chaîne à Papy, salut à tous.